gobelets, sont de drôles de pistolets. Ils marchent sur la tête, même quand c'est pas leur fête. Ce n'est pas une cloche, c'est une sacrée galoche. Sans les gobelets, sans le drôle de pistolet. S'il faut faire l'acrobate, trouvez-en qui les batte. Ce que préfère gobelet, c'est toujours un peu de lait. Sans les gobelets, sans le drôle de pistolet. Sans les gobelets, sans le drôle de pistolet. Déménage dans l'édifice d'en face. Oui. Pourquoi faire? À cause du propriétaire. Il est même pas là. Bah justement, monsieur se fait griller la bedaine en Floride et pendant ce temps-là, la neige s'accumule. Oh, le vilain, le florible. Oh, d'ailleurs, s'il serait gentil, c'est dans les gentils qu'il aurait allé. Ils sont tous partis, qui m'ont dit. L'immeuble est vide, reste que nous. Oh, quand il va reviendre, le gros pied à terre, il va être colérique. Ah bah, c'est demain qu'il revient, ça va être joyeux. D'habitude, ici, au deuxième, ça sentait toujours les spaghettis. Quand on n'avait pas de quoi manger, je venais m'asseoir dans les marches pour les respirer. L'immeuble est devenu une ville fantôme. Comme l'air, tu me fais peur. Non, 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 mais arrête, je t'en supplie. Tu me donnes la chair, petite poule. Quand c'est seulement une personne qui fait silence, ça s'endure. Mais quand c'est tout un immeuble, c'est effrayant. Ils ont tout emporté, tout, même leur bruit. Pas la moindre pendule, le miaulement d'un chat, l'éclat d'une casserole qui heurte le coin d'une armoire, les clapotements causés par une lavette qui s'agite au fond d'un plat à vaisselle. Monsieur Dubé qui chantait en se rasant le matin. Et le zinzin de la radio. Et celui de la balayeuse éclectique. Et le bébé du septième. Sois gentil, fais-moi le bébé du septième. Encore? Oui. Oui! Ça va, ça suffit. Comme j'ai une idée. Une idée? Oui. Oh, aïe, ça c'est dangereux, je me méfie. Qu'est-ce que c'est? Gobelet. Gobelet, pourquoi on ferait pas du contexting? Du quoi? Dehors avec des pancrates, tu sais bien. Tout le monde contexte, nous on contexte jamais alors. Tu as raison, c'est une lacune. À partir de désormais, nous voilà devenus contestataires. Un détail, qu'est-ce qu'on pourrait bien contester? Le groupier terre, la neige! C'est une idée. Je suis bien content. Tu vas voir, je te ferai pas honte. Je sais comment faire. C'est vrai, montre-moi. Le groupier terre au poteau! 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 Secrétaire au poteau! Secrétaire au poteau! Secrétaire! Toujours tu veux jouer au hockey dans la chambre. J'avais peur que tu dises non pour le contexting. Non. Un jour, on fera de la contestation. L'autre, on jouera au hockey. La contestation, le hockey. La contestation, le hockey. La contestation, le hockey. Comme ça, on se fatiguera jamais. Je suis bien content. Bon, eh ben, je crois que c'est terminé maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je sais même pas lire. Je sais encore moins lire que tout à l'heure. C'est la meilleure.
Tu trouves? Il n'y a rien écrit. Je me disais aussi. C'est un dessin. Quoi? Ça représente la façade de l'édifice. Oui, gobelet, je vois absolument rien. Il y a trop de neige. Ça, c'est folle. Bon, eh ben, on va aller dormir maintenant. Le jour est tombé. Je n'ai rien entendu. Comment? T'as dit le jour est tombé et d'habitude, ça fait bougne? Oui. Mais aujourd'hui, ça ne pouvait pas faire bougne. Il y a trop de nuages. Ça amortit la chute du jour. Peut-être il va neiger encore. Peut-être. Ça va pas être chaud pour dormir. Non, mais c'est meilleur pour la santé. Ça me fait drôle de penser qu'on est tout seul au sommet de ce grand building. Moi, ça m'a fait peur. Notre chambre, c'est une cabine spatiale au sommet de sa fusée. Oui. Et quand il n'y a personne et que ça craque, on se demande c'est qui. Tous les appartements sont à nous, moi. Il faut être millionnaire pour habiter une pareille maison. J'espère que ça ne va pas craquer. Bon, éteins la lumière. Oui, non. Que... Gobelet, pas ce soir, je t'en supplie. Mais pourquoi, c'est ton tour? Je sais bien, c'est mon tour. Ferme tes petits yeux, tu la verras pas. Impossible, il faut l'éteindre. Oui. Non, j'ai trop peur. Tu as peur d'éteindre la lumière? Mais non. Étreindre. Je peux en étreindre des centenaires, étreindre, ça me fait rien. Ben alors? Là-bas, là-bas, à côté de la porte, le petit bouton, c'est pas difficile, tu le pousses, clic. Eh ben alors, vas-y. C'est pour reviendre après dans la noireté. Avec mes grandes voiles de pied qui se prennent partout. Mais garde tes chaussures. Non, pas ce soir, j'ai trop peur. Très bien. Tu l'auras voulu. Oh non, au secours. Non, arrête ça. C'est un interrupteur portatif. Allez. Tu vois ça, le petit bouton, là? Oui. Bon, ben, c'est comme celui qu'a près de la porte. Oh, formidable. Il y a encore quelqu'un qui a échappé du lait par terre. De la crème glacée, tu veux dire? Non, oh, il faut allumer le poêle, je suis gelé. De la neige, dans la chambre. Tu disais c'est plus meilleur pour la santé. Ça va mal, que ça va mal. Et le contexting alors, gobelet? Laisse faire le contexting, machin. Avant de contester, constate. Je le savais donc. Toujours tu me fais des promesses. Va allumer le poêle, je suis trop gelé. D'accord, d'accord. Non, ne l'allume pas. Bon, il faudrait savoir ce que tu veux. Ça inonderait la maison. Quoi faire, quoi faire? Il faut pelleter jusqu'à la fenêtre et la fermer pour empêcher la neige d'entrer. Il n'y a pas de paix. 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 Il n'y a pas de paix.
Voilà. De la méthode. Quand le vent sera tombé, on la jettera par la fenêtre. Nous, au moins, on travaille. On n'est pas comme le gros pied à terre. Évidemment. Ça, c'est une allée bien entretenue. Hein? Bon, voyons voir pour le manger. Eh ben, une allée est-ouest du lit au réfrigérateur. D'accord, d'accord. Ça, c'est curieux. Tous mes locataires seraient sortis. Ah. Ah, reste ça, les gobelets. Hello? Gobelet, c'est le gros pied à terre. Passe-le-moi. Allô? Oui, je sais. Non, c'est-à-dire que... Hein? Non, mais... Il y en a qui disent que l'entrée est mal entretenue. Forcément. Je reviens de Floride. Je ne peux pas être à deux endroits à la fois. Et alors? Eh ben alors, ils sont partis. En Floride? Mais non, ils sont partis. Ben, ils ont quitté. Ils sont allés louer ailleurs. Alors? Alors? Il a raccroché. Ça va être dommage de détruire notre beau réseau routier. Pourquoi faire, Gobelet? Fais pas chaud, tu sais, quand on arrête de travailler. Oh, Gobelet, je t'en supplie, c'est tant tellement beau. Je sais bien. J'ai une idée. On va commencer par jeter la neige qui est près de la fenêtre. N'est-ce pas? Le vent est tombé. Quand on aura fini, peut-être que... Peut-être qu'il va remonter et là, on pourra garder tout le reste. Peut-être. Thank you.
Avant de vous faire entendre cette sonate de Mozart qui a rendu célèbre notre virtuose, je vous donnerai lecture de ce court bulletin météorologique. La tempête accompagnée de vents violents qui a sévi la nuit dernière se déplace maintenant vers la côte ouest. On prévoit peu de changements dans la température. Il est possible cependant que le vent se remette à souffler en rafale d'ici la fin de la journée. Quelques chutes de neige locales sont à craindre un peu partout dans la province. Et voici à nouveau notre grand interprète italien, Eberto Ruffino. Chute de neige locale. Je sais pas ce qui m'a pris de revenir dans ce maudit pays. Si je ne l'avais pas entendu à la radio, je n'en croirais pas mes yeux. Chute de neige locale. Elles sont bien locales. Il neige plus. Faut que je recommence tout. Je suis complètement éreinté. Éreinté et ruiné. Bravo, gobelet, bravo! Le vent a remonté, on va pouvoir garder notre réseau croutier. Non! Je pense au propriétaire, on peut pas lui faire ça, il est trop malheureux. J'ai une idée, on va jeter toute la neige dans l'escalier. Oui, non, gobelet! Oh, il va nous assaisonner. Mais non, t'en fais pas. J'ai une idée mirobolante, une vraie idée de Mac. Mac? Le clown. Ah ben? Mac clown, le plus grand. Tu me chatouilles! Arrête de bouger, comment veux-tu que je compose? T'as raison. Faut toujours garder le silence quand il y a un compositeur au travail. Allô? J'appelle bien le poste de radio? Je voudrais faire passer une petite annonce. Eberto Ruffino nous reviendra dans 60 secondes exactement. Vous voulez faire du ski? Plus besoin d'aller dans les Laurentides ou dans les cantons de l'Est. Un centre de ski vient d'ouvrir en plein cœur de Montréal. L'essayiste torontois Marshall McLuhan avait raison quand il disait que... Centre de ski. Les gens ne pensent qu'à s'amuser. Un centre de ski en plein cœur de Montréal. C'est le monde à l'envers. C'est ça. Amusez-vous. Toujours les mêmes qui travaillent. Bon, ben c'est fini. C'est pas trop tôt. C'est d'exécuter les virages correctement. D'accord, correctement les... Plier et... Oups! Tu te relèves vivement pour soulager tes skis du poids de ton corps. D'accord. Et à gauche, et à droite, droite, et à gauche, gauche. Oui, gobelet. Oh, t'oublies le plus difficile? Ah oui, quoi? Pauvre gobelet. Le glissing. Je suis pas rassuré du tout. T'es sûr que les paliers viennent vite, tu sais. Zoom, 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 zoom.
Ah, tu manques un virage et tu peux te faire mal. Et pas peur. Je les connais par cœur. Penses-tu depuis le temps qu'on vit ici, alors? Sois calme, Gobelet. Regarde, j'ai pensé à tout. Chute de briques locales, peut-être. Chute de clown local. Sol, ma vieille galoche. J'espère qu'il n'a rien de brisé. Sol. Oh. Alors ça? Oui, je ne pouvais pas savoir où j'étais alors. Je voyais plus clair. Allô? Oui, un instant, s'il vous plaît. C'est pour vous. Allô, quoi? 10 appartements? Près de la pente de ski? 500 $ chacun? Ah, mais certainement. Une seconde! Tout le monde en rang, sinon vous n'aurez rien du tout. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Mais louer un chalet à tous les étages! Jamais vous n'en aurez assez. Oh. Dans les bras, mes enfants. Plus tard, les effusions. Allô? Mais une seconde, c'est pour vous. Quel beau pays! Vive la neige! Allô, madame? Oui, un petit moment près de la porte du Tim, mais certainement, madame. Eh oui. Un moment. Ah.